All right, all right. Bonsoir tout moun. Aswe la ankor nou reyini e pou nou kapab pote yon la super mega enterese pou nou. Ke nou konen deja chak aswe le bon chak ademi deside nan lide la perspektiv pou kapab eduke, forme, inspire kominoti a nou toujou pote deseye de la super enterese pou. E aswe la ankor nou kon super, super blaj ke nou pote pou. Men aswe la kom je sais qu'on est habitué, nous ne pouvons pas forcément parler de business, nous ne pouvons pas forcément parler de comment on va monter un business sur Internet, mais nous allons parler d'un sujet qui est capable vraiment d'intéresser un peu de nous, qui c'est comment jeter échec capable pour ton paquet de bénéfices pour nous dans la vie personnelle, d'un coup professionnel. Et je nous connais déjà pour nous capable parler d'un sujet pareil, mais pas monde qui est mieux placé pour parler d'un sujet comme ça, on a vraiment un photo de garçon ensemble avec nous. Mais, je nous connais, et comme d'habitude, avant nous introduire Gaston, nous toujours qu'on t'y pose, et pour nous capables, nous toujours qu'on t'y pose, pour nous capables, et chauffer terrain avant, vraiment nous introduire Gaston. Donc, à ce moment-là encore, nous allons partager une petite vidéo, tout coûte, et après vidéo, nous sommes capables d'introduire Gaston, sans problème. Alright. Si quoi c'est fait là? Si quoi c'est fait là, j'en va être sous ou de mettre sauter cette vidéo ça. Mais dans le cas contraire, il y a une bonne nouvelle pour vous. Bral mi dret nan moun. Preton atensyon soutenu a sak pral di yo. Esko te ou kouran ke gen ayisyen kap fè kob sou internet? Ki jan kob la fèt? Ki koute kob la fèt? Komye kob? Esko ou men mou ka fè kob la tou? Ou bien ki jan de moun ki ka fè kob sa? Repons a tout kesyon sa ou se RetBrancher.com. RetBrancher.com se platform e-learning number one nan komunote ayisyen nan. Se la, an pil ayisyen natif natal tankou ou? À l'apprendre qui j'en veux faire l'argent sur internet non mais monde qui déjà a fait comme sur internet si ça intéresse vous m'avez vite visiter www.retbrancher.com on va réussir ensemble nous deux réussir ensemble et vivre branché. All right. Donc, pour même qui, première fois, ou tomber sur la vidéo, m'a rappelé donc que, ou sous page officielle, RetBrancher et Académie, donc RetBrancher Académie ou bien, et sous page de nos partenaires, et RetBrancher Académie, c'est une plateforme e-learning qui l'a, ou former, informer, éduquer population. Donc, nous vraiment un paquet pour qui est super intéressant, qui est sous plateforme, 90% que nous vraiment yo en créole et nan lang maman nou yo en créole haïtien donc vraiment encourager nous ou même qui c'est ou à peine à vraiment visiter faire connaissance ensemble avec nous visiter page nous yo et sur Facebook sur Instagram et plutôt visiter c'était moi qui c'est RetBrancher.com et en parlant de RetBrancher.com dans toute boîte mais nous gagnons un super spécial pour dire que à simplement et $39, disons, et à plein normal, c'est $49, mais il y a 20% de discount sur tout plan membership, nous, côté que, à un plan membership, vous avez accès à tout coût qui est sous plateforme. Donc, mes amis, visitez page nous pour nous capables vraiment de gagner plus d'informations sur ça qui n'a pas lieu. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire guest noir. Et j'aimerais dire déjà, et je dis à nous parler d'un sujet qui sorti de l'ordinaire, qui pas forcément gain rapport avec ça gain rapport avec business online, nous tout le temps parler de ça, mais nous allons parler d'un sujet côté que et qui est vraiment intéressant un peu là nous, qui c'est comment jouer échec là qui sont jeux de société, comment jouer ça capable pour un pile bénéfice dans la vie nous, dans la vie personnelle nous, ou bien dans la vie professionnelle nous, qui bien fait que ça gain qui et aspect positif qui gagne et comment ça joue sur le cerveau, tout ça. Donc, nous voyons un paquet d'informations. Mais pour parler de nos sujets comme ça, moi, pas moi, qui bien placé pour parler de ça. C'est pour dire ça, nous avons
ensemble avec nous, Porto Ricasso. Monsieur et son passionné d'échecs là, il gagne et il est moniteur d'échecs côté que la apprend monde comment vous êtes capable de jouer échecs. Monsieur tout, il est président au club échecs, donc son monde qui vraiment et grand pile d'amour dans affaires d'échecs et il était même tout dans comité fédération échecs qui dans pays d'Haïti. Donc c'est un monde qui qui grand pile d'expérience en domaine là, je nous connais déjà dans monde nous côté sur plateau, c'est des monde qui connaît sujet qui a parlé à qui capable vraiment éclairer entre nous. Donc et à ce soir nous gien ensemble avec nous Jonathan Lafontaine, artiste et qui n'a salué qui n'a demandé comment il. Jonathan, comment est-ce? Bon, merci beaucoup Isel. Bon, à profiter de bonsoir à tout le monde. Soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Et bon, en forme. Merci pour l'invitation. All right. Merci, Jonathan, parce que tu as accepté et venu dans la pour nous parler sur ce sujet. Mais avant de commencer, mes amis, nous connaissons mon là. C'est vraiment partager la vlog, taguer un zamou en bas la vlog et nous saluer. N'a salué Cliff qui dit li présent, donc Cliff big up, n'a salué côté suivant, donc Cliff dit mettez présent sur lui. Mes amis, et partagez la vlan, évitez aux amis nous, et venez garder la vlan, t'as aux amis nous en bas là, parce que ça que parle de yo là, t'as pas vraiment, vraiment intéressé nous. Donc, Jonathan, et voilà mon yon partagez la vlan, et dis-nous non, qui est Jonathan Lafontaine? Bon, déjà, font une belle palette de Pierre Jonathan Lafontaine Assisier. Bon, pas vraiment bien, trop grand chose à dire. Bon, normalement, j'en désire, moi-même, moi, il est Jonathan Lafontaine Assisier. Moi, je suis administration publique, Inagé. Moi, j'ai une formation en administration sportive dans le comité olympique haïtien. Et puis, moi, j'étais dans la Fédération haïtienne des échecs en tant que responsable marketing et développement dans un premier temps, de 2017 à 2018. Et dans un deuxième temps, j'étais venu élu dans le comité A en tant que trésorier de 2018 jusqu'à 2020. Oui, 2018 jusqu'à 2020. Et après Fédération haïtienne des échecs, j'étais président au club Cavalier Noir, pour que nous toujours faire activité, faire formation, bon, c'est une formation qui fait dans l'interne. Et puis, dans ce sens, nous organiser des championnats pour jeunes et qui intéressés avec échecs, débutants, niveau intermédiaire. C'est ça. Et bon, et pour tout, moi, j'ai fait cours dans l'école. Moi, j'ai fait cours initiation au jeu d'échecs dans l'école Acacia, Publin, pour Simone Bitti, qui est dans le premier cycle, première année jusqu'à quatrième année. Donc, en gros, c'est plus ou moins parcours moins dans l'échec et sport. Jusqu'à un temps, moi, j'étais dans le comité olympique haïtien. Nous étions sur une formation sur l'administration sportive, comment administrer le club et comment organiser des championnats. Donc, en gros, c'est ça que moi je souhaitais ajouter. All right. Merci pour la présentation. Ça. Et avant de commencer à trembler dans ce sujet, nous avons profité de saluer quelqu'un dans la blanche. Nous avons Jean Duchesne Auguste qui dit Lila. Nous saluons Jean Duchesne qui est toujours présent dans la vie. Nous saluons Alain Emmanuel et Choulout qui dit like, partagez, moi fais ça déjà, bon travail. Donc, merci Alain pour Big Up là. Donc, et nous partons là, nous allons entrer dans le sujet qui c'est parler d'échecs. Bon, Jonathan, pour moi qui premier attendait parler de jeu d'échecs, comment capable expliquer ça en quelques mots, qui ça jeu d'échecs? Je connais son jeu de société et
Moi-même, personnellement, j'ai quelques informations, pas, mais pour un monde qui a gardé la blague dans ce moment-là, comment qu'a expliqué là, quelques mots qui ça, je dis chèque là, et côté le sorti, ça lié même. Bon, pour commencer, je suis capable de dire jeu d'échec, c'est une jeu qui est ancien dans le monde. Il y a environ 1500 années depuis que le jeu a existé. Donc, le jeu là, c'est un jeu. Il y a des difficultés pour retracer le côté jeu là sorti en réalité. Mais nous connaissons que le jeu là, il y a 1500 années pour Pipiti. Donc, c'est un jeu comme si qui passait sous plusieurs formes. Il y a plusieurs formes. Dans l'époque, le jetlan était en Asie. Il était son forme côté que Piacio. Il était son autre forme côté que était capable bien identifier figure. Il était capable d'identifier cheval là, ouais, avec beaucoup plus de facilité. Donc, le jetlan est sorti en Asie, passé Moyen-Orient, arrivé en Europe côté que les jeunes prennent forme que nous capables, nous ouais, que les gens jouent aujourd'hui. Donc, qui ça jetlan est en réalité? Rabzi, c'est un jeu de stratégie et de tactique. En résumé, ça c'est un résumé tout court, c'est un jeu de stratégie et de tactique. Comme bénéfice, je veux dire ça, l'OAP joué les développer capacité de... Nous allons entrer dans le bénéfice après, et si tout le monde connaît le en pile. Oui, et donc, pour faire comprendre que jeu d'échec là, c'est une pire ancien jeu de société qui existait dans le monde là. De 1500 années. Donc, quand on parle de 1500 années, c'est plusieurs siècles, parce qu'on s'y a gagné 100 ans. Donc, quand on parle de 1500 années, c'est plusieurs siècles, c'est ça? Oui. Yeah, correct. Oui, c'est ça, c'est justement 1500 années environ que Jouet-la vient depuis l'exister. Mais autour de Jouet-la, il y a plusieurs, bon, j'ai mon été en son Jouet qui passait. Il passé plusieurs étapes. Les gangs époque côté que jouait là, ça me désole, il était bon fort côté que des bons gens ou des bons joueurs. Mais à chaque fois que jouait dans la traversée, soit les sorties dans l'extrême orient, les a passé dans moyen orient, les passé en Asie, ou les gens en Europe, à chaque pas que ça, il a changé de forme qui vient faire vin un jouet beaucoup plus raffiné et que qui vient plus facile et que le monde capable de jouer avec beaucoup d'aisance, sans problème. Intéressant. Ok, et Jonathan, parce que l'information sur l'historicité est extrêmement importante. Maintenant, Jonathan, question d'agir pour vous, c'est et pour qui raison Mounio t'es venu avec Jouet d'échec? Avant de nous rentrer dans la cause des bénéfices, oui, Jouet là existe pendant plus de 1500 années, mais qui raison qui fait que Mounio t'a décidé d'inventer un jeu comme ça? Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a partagé dans ce moment? Surtout si c'est un jeu de stratégie et de tactique. Voilà. Raison yo en pile, et que étant donné que nous pas qu'à vraiment situé origine jouet là, mais bien de la petite histoire vous faire comprendre que c'est un jouet que qui venait là pour établir des stratégies de guerre pour un royaume, pour royaume yo on capable dire. Donc c'est jouet ça raison les bien et objectif jouet ça c'était mettre des stratégies de guerre pour contrecarrer des attaques et pour planifier des attaques à chaque fois que ou bien pour envahir un territoire ou bien conquérir un royaume. Donc en général c'est ça qui était principale raison d'être jouet là. Au début il n'est pas vraiment jouet, il était plus un outil pour préparer une attaque pour conquérir un territoire ou bien un royaume quelconque et pour défendre un royaume. Là, on a subi une attaque. Ah, all right. Merci pour l'information, Sarah. Maintenant, Jonathan, on a entré dans la cause bénéfice que j'ai l'échec là pour toi. Dis-nous, pour quelle raison on a adoué quand on joue un jeu comme ça?
qui bénéfice à porter, pour qui raison, parmi toutes les joueurs, c'est les pour m'a choisi. À la fin. Bon. Merci en fait pour la question. Vraiment, ma question. Pour qui raison, au monde, tu as supposé jouer échec? Je vais dire que jouer échec, j'en ai sauté au début. C'est un joueur qui, premier bagage, il fait, il améliore la capacité de réflexion et il améliore toute capacité de synthèse. Donc, pour qui raison on est capable de jouer échec, c'est premièrement, pour capable élaborer des plans de vie. Par exemple, ou même, dans la vie professionnelle ainsi que dans la vie personnelle, c'est sûr que vous avez des plans. Ou bien des objectifs que ou t'a aimé atteindre. Donc jeu d'échec là lui-même, il y a partie échec, les chita sur on capable dire sur quatre bagages. Donc capable dire c'est donc objectif, je moi voulais aller là, moi élaborer, moi gagne un plan de tête moi et que moi élaborer. Et à travers élaboration plan ça, moi gagne trois éléments qui est extrêmement important que moi va le mettre qui va permettre moi atteindre objectif moi ou bien arriver atteindre le but que moi t'ai fixé. Donc, trois éléments, ça, c'est d'abord le temps. Temps où mettez, temps où disposez pour atteindre l'objectif pour arriver côté où vous voulez aller. Et ressources que vous mettez à disposition pour être capable de faire ça. Des moyens que vous mettez à disposition qui peuvent aller dos, avancer et continuer. Et l'espace. Dans qui espace, sur qui terrain que moi pour aller. Et pour qui terrain moi pour exploiter avec ressources que moi gagne à disposition moi et dans temps que moi disposé qui va permettre moi atteindre objectif ça plus rapide objectif que moi mettre en place là plus rapide bon il était capable un objectif général ou bien des objectifs spécifiques que ou on va combiner qui va permettre atteindre objectif général donc c'est bagage ça que je vais t'échec là lui permettre tout fait. Bon, moi, rappelez-moi que pour un livre qui est vraiment intéressant, c'est L'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est un livre que moi, j'ai pris en plaisir, première fois que je l'ai lu, je l'ai lu avec un peu d'enthousiasme. Livre ça, il explique en gros, de manière bien détaillée, il y a une partie d'échec. Une partie d'échec d'abord, c'est un guerrier, il explique stratégie. Toute stratégie que vous êtes capable d'utiliser pour atteindre un objectif que vous-même vous visez. Donc, L'art de la guerre, c'est un livre de Sun Tzu. Donc, vous l'utilisez surtout dans la stratégie de marketing, entreprise. Donc, dans les quatre premiers chapitres de L'art de la guerre, c'est le même que le plus souvent, je vais échapper au moniteur, échapper au faire référence à elle dans ça qu'on appelle le temps. Et quatre deuxième chapitre, chapitre 5 à 8, les mêmes tours, yo fait référence ensemble avec les, yo parlé de ça, les ressources que vous pouvez utiliser pour arriver à atteindre objectif. Et puis, justement, voilà, sans souffle. L'art de la guerre, oui, c'est ça. Merci pour le partage là. Oui, c'est un livre qui est vraiment intéressant, dans tout. On t'a conseillé tout le monde qui est en bas live là pour t'a lu au moins quelques chapitres si vous pas gain temps pour le tout. Il t'a vraiment intéressant de parler de ça. Surtout si vous intéressé avec échec. Oui. Chapitre 5 à chapitre 8, c'est l'un qui parle de ressources que vous pouvez exploiter pour capable atteindre l'objectif. Et chapitre 8 à chapitre. Avant de rentrer en détail dans le livre là. Bon, ici, résumé, partie importante que vous avez dans l'élément de réponse. Ou dit, par exemple, une raison qui vraiment primordiale, qui t'a supposé, il y a un leitmotiv, un sorte de motivation pour moi apprendre à échec, c'est premièrement, lui permettre que vous améliorer ou bien encore peaufiner façon de penser. Lui permettre que Et pour faire synthèse. Exactement, permettre de structurer l'idée davantage
et permettre que vous fassiez synthèse. Oui. Apprendre certains lectures. Donc, moi, je pense que ça sera son. Un bail qui est extrêmement important, surtout dans la vie professionnelle, au monde. Côté que, en pile fois, dans l'environnement de travail qu'il a bien, l'organe a des atouts additionnels, ça, il est capable de permettre que vous vraiment gagnez avantage et vous permettre beaucoup plus efficace et efficace dans le travail, d'une part, et permettre que vous gagnez avantage sur différents collègues ou tout. Sur les capacités d'analyse ou les capacités pour faire des synthèses, ça permet que au plus bien structurer l'idée et avancer, moi c'est que son bénéfice est extraordinaire. Maintenant, on t'a parlé de ajout au bagage? Non, moi juste d'accord, ça va, moi justement c'est ça. Yeah, donc c'est pratiquement c'est l'élément de réponse à tes bas avec questions qui te posent là. Mais maintenant, on t'a ajouté, on t'a dit un bagage par rapport avec le livre là, de la guerre, là, on t'a parlé de l'importance qu'elle gagne pour les gens qui sont intéressés avec le jeu d'échecs, pour les gens qui sont intéressés avec le côté stratégique, et les gens qui font pour le lire ton livre comme ça. Qui ça, et ça gagne de particulier, et pour les gens qui sont intéressés ensemble avec. Bon. Livre ça, tout ce qui est bien, c'est que les gens ont commencé à c'est un livre qui décrit des stratégies et on peut dire stratégies que ou même on peut utiliser dans la vie personnelle ou pour atteindre objectif ou pour réaliser rêve et pour et comment tout pour vivre ça, non seulement les deux comprendre milieu environnement que doit évoluer hein, et comment à travers milieu ça comment pour exploiter. C'est ça, on a été parlé de c'est parti ça qui vient à penser avec espace là. Donc les deux comprennent espace que tu vas évoluer. Comment on capable exploiter espace ça et pour capable réaliser rêve ou bien réaliser objectif ou même ou te fixer. Et puis les ça tout, les deux comprennent tout monde qui bon pour tout le monde. Environnement de espace là, comment on va dire, c'est pas vraiment espace là que on va espace physique là qu'on va aller exploiter, mais non seulement on va exploiter l'espace physique là, mais on va exploiter surtout monde qui n'a entourage, monde va évoluer ensemble avec eux. Comment monde ça est capable d'aider à avancer et comment au même tout capable contribuer à aider monde ça à avancer. Donc, c'est ça qui fait référence avec les ressources là. Les ressources là, c'est le monde qui est tout près. C'est ça ou bien dans mon yo, ça ou bien le monde ou bien ensemble avec vous. Donc, c'est vous-même, les gens qui vont utiliser le monde ça ou même pour capable avancer côté où vous voulez aller. Et puis, il y a là dans tout le temps. Le temps lui-même, c'est. Le plus qu'un rapport ensemble avec stratégie qu'on va le mettre en place. C'est vraiment de aller là. Combien de temps ça prend de m'aller là? Est-ce que pas un moyen qui picoute? Est-ce que pas un moyen qui picoute si m'utiliser telle ressource qui peut pas permettre moi de vivre là plus rapide? Donc, les deux temps, les deux viennent beaucoup plus efficaces, bien comme on va dire, efficients dans atteindre objectif. Donc, tout ça, livre là, les aider ou dans ça pour capable comprendre environnement et comment pour exploiter environnement et par rapport à ça avec objectif ou fixé ou qui gens ou capable atteindre et qui façon capable atteindre de manière beaucoup plus efficace. All right. Et moi c'est information extrêmement important côté que ou à montrer vraiment vrai par rapport avec les gens, par rapport avec un monde tout qui concerne une maîtrise ou bien qui est intéressé à gérer des chefs côté que l'apprendre à gérer tel peu bien, concerne une maîtrise du temps, la chercher, la permettre que lui apprenne à gérer les ressources qui sont à la disposition peu bien, parce que dans les déchets, là, tu lui permets de gagner accès à ces ressources-là, mais il permet tout, vraiment, et faire son liaison fait par rapport avec jeu d'échecs-là et réalité et professionnelle ou encore réalité personnelle qui ont un monde capable. Donc, moi, c'est ça, c'est extraordinaire, côté que, et extrêmement important. Et c'est notre perspective, ça même, nous avons fait là, pour nous parler de
et ensemble de bénéfices personnels et professionnels que on moun capable joindre dans cause jeu d'échec. Maintenant et Jonathan, pour moun là qui a regardé nous là, qui vraiment vient intéressé avec jeu d'échec là, qui deux ou trois conseils qu'on capable bali. Bon, on m'a été intéressé avec le jeu d'échecs. Bon, premièrement, on peut dire que c'est très bien. Intéressé avec le jeu d'échecs, alors c'est très bien. Quel conseil m'a dit à un monde qui est intéressé avec le jeu d'échecs? En plus, nous sommes capables de contacter, on a dit que le jeu d'échecs, il faut qu'on soit intelligent pour jouer, il faut qu'on ait un QI qui est assez élevé pour jouer. Donc, sinon, on n'est pas capable de jouer. Donc, on dit que ce n'est pas vrai du tout. Le jeu d'échecs n'a pas besoin extrêmement intelligent pour jouer. Mais au contraire, le jeu d'échecs, là, lui-même, c'est développer, le pas développer l'intelligence. C'est augmenter, le pas augmenter QI. Donc, c'est une raison que de nos jours, le jeu d'échecs, ils ont mis le jeu d'échecs dans plusieurs écoles, surtout en Europe, en France surtout. Ils ont commencé à introduire le jeu d'échecs là, dans l'école. Et il y a un programme école échecs en Haïti qui est commencer à faire ça. Et à l'aide de fédération. Fédération, elle fait des partenariats avec des écoles en façon pour être capable d'introduire le jeu d'échecs là dans le curriculum en série de l'école. C'est parce que le jeu d'échecs là, elle contribue à la capacité de réflexion de Simonio et que l'aide de Simonio gagne un comportement qui est beaucoup plus rationnel par rapport à tête, par rapport à objectif personnel et par rapport à objectif yo en dans l'école là, en dans environnement l'école là. Donc ça on va dire jouer échec ou pas besoin gagner intelligence qui extra qui est énorme pour jouer échec. Donc on capable commencer regarder vidéo sur YouTube ou commencer regarder et qu'a commencé lire documents on s'en avec échec et commencer garder jouette là que ça jouette là est important jouette là etc. Et moi crois que Red Blanche Academy gagne un projet en cours d'échec. Oui, donc faut profiter et Jonathan profite annoncer officiellement que la Bimi avec un cours d'échec sur plateforme là et monsieur dame la société donc et bon Jonathan tout annonce nouvelle en live donc Jonathan et à travailler sur un cours d'échec pratiquement il plan pour arriver là donc et Jonathan vraiment travaille d'arrache parce que et ne va pas dire dans mois de mai mais parce que dans mois de juin officiellement n'a gagné un cours d'échec et sur plateforme là donc ou même qui vraiment intéressé avec échec donc retrébrancher sur plateforme là parce que et professeur Jonathan la fondatrice a vraiment porté un coup d'échec pour permettre que et nous apprendre comment capable jouer échec pas oublier que en termes de bienfaits que jeu d'échec est capable pour ton paquet de bienfaits soit dans la vie personnelle ni dans la vie professionnelle. Nous Jonathan t'a parlé de comment ça capable améliorer et intelligence ou comment ça capable pour finir davantage conscient intellectuel ça relève QI comment et jeu d'échecs est capable vraiment et pour finir capacité d'analyse capacité pour faire synthèse permettre pour gérer tant plus bien permettre que ressources qui à la disposition pour gérer plus bien. Donc vraiment jeu d'échecs un paquet bien fait que le capable porter pour nous mes amis donc et son jeu extraordinaire et m'a profité par Jonathan Love là premier et détail que me connais dans affaire jeu d'échecs beaucoup sont gros experts mais premier bagage que me connais c'est Jonathan qui t'a coaché qui t'a enseigné qui t'a partagé tactique stratégie
ensemble avec donc si moi vont côté capable vraiment de placer quelqu'un c'est Jonathan donc c'est son professeur extraordinaire donc et Jonathan profite à annoncer nous que il a bien un coup échec la mettre et sur plateforme là oui Jonathan on t'a continué pour dire. Bon, oui, à continuer, vous me dites, et que, donc, jouer de chaque là, c'est un jeu qui est extrêmement facile, et je vais que vous disposez pour apprendre. Et pour une philosophie de jeu là, c'est au fur et à mesure que vous comprenez une philosophie de jeu là. Donc, c'est pas un jeu qui est difficile, qui est obligé de gagner en QI, genre, se disant, les pas du tout ça donc n'importe quel âge capable commencer à jouer échec donc c'est ça qui fait que l'école a commencé montrer tout le monde jouer échec à partir de première année donc ça va lui dire que c'est à partir de première année on tout le monde supposé apprendre jouer échec et qu'a commencé non l'âge qui est beaucoup plus bas qu'a commencé non l'âge qui ça va dépendre de volonté de tout le monde pour lui apprendre. Donc, aussitôt que si nous avons commencé à apprendre, on va remarquer qu'il y a des bénéfices qui sont palpables que nous avons remarqué la carrière de Simon. Ce soit, on va avoir un caractère, il va être beaucoup plus rationnel, la décision qu'il a prise, le choix qu'il a fait, etc. Donc, en gros, c'est ça qu'on a dit. Bon, on m'a profité de féliciter tout et dire, donc, je dis, c'est une meilleure apprenant de l'échec que nous. De travail, de gagner chance d'avancer avec lui, donc extrêmement intelligent et qui apprend bien vite. merci, prof. Là. Et dernier mot, un petit mot à lire sur ce causé et jeu d'échec là. Et côté que, bon, je pense que je vais partager avec le public, partager la voix tout, comme moi, peut-être, omis dit ça. L'autre a un paquet d'avantages, l'autre bénéfice que j'ai l'échec capable de côté pour nous faire comprendre que j'ai l'échec qui permet que il améliore la créativité. Donc, il permet que j'ai l'échec qui permet que vous beaucoup plus créatif, il permet que vous peaufinez davantage l'esprit critique. Là. Donc, comme nous avons parlé d'analyse tout à l'heure, bon, pratiquement c'est l'esprit critique. Et lui permettre comme si là Mounio et développer patience la carrière patience oui. Persévérance tout ça donc moi c'est que ça tout ça ensemble de l'autre avantage de l'autre bénéfice que j'ai des chèques là permettre que Mounio cultive et la carrière par contre sous d'accord ensemble avec avec ça bon oui moi d'accord ensemble avec lui justement moi pas mentionné ça mais ça vraiment ça là dans vraiment parce que si m'a expliqué il y a une partie d'échec une partie d'échec normalement qui s'allie dans partie créativité hein pour être capable extrêmement créatif pour créer des ouvertures là à l'adversaire là et pour arriver dans ça ouvre les bras parce que une partie d'échec c'est normalement c'est en guerre donc c'est à faire une différence allusion avec et l'art de la guerre là une partie d'échec c'est ça lié c'est nous capable remarquer plusieurs et nous capable remarquer que le plus souvent nous avons une partie pièce ensemble avec pion qui est blanc et une partie qui est noir donc c'est un attaque que royaume blanc a fait sur royaume noir et royaume noir lui-même l'a défendu donc quelle soit attaque là pour le faire donc faut qu'on ait une capacité pour connaître qui gens ou pour attaquer adversaire là de façon pour craser toute force li, toute possibilité qui t'a aidé, toute ressource qui t'a aidé, comme c'est contre-carré attaque là, comment on peut capable, comme c'est craser, mettre le faible le plus faible que possible, et vous même capable d'entrer, faire des pénétrations. Donc tout ça, lui, mettre la KO, la créativité, ou qu'on est si on attaque sur l'aile droite ou bien si on attaque sur l'aile gauche ou bien si on c'est quand qui gens pour pénétrer qui gens pour paralyser force lio et ou même pour capable prendre royaume là et pendant on fait ça qui gens va protéger tête en même temps
pendant qu'on va attaquer, on va protéger tes tours. Donc, c'est un paquet de bagages qui m'a de créativité. Donc, il m'a de patience tout. Parfois, alors, même, on va défendre tes tours. Faut qu'on patiente pour quitter l'adversaire à l'avenir pendant qu'on va créer piège. Et on va créer piège si toutefois on a tombé dans piège. Et puis, même pour tourner, pour contre-attaquer. Pour contre-attaquer. Donc, c'est ça qui, en gros, m'a capable qui crée la chaos, l'échange de créativité et patience lente. All right. Je pense que nous touchons vraiment pour l'essentiel. Et surtout là, ça, c'était plus parler de objectif, c'est plus parler de bénéfices, nous l'a dit, et avantages et qui gagnent à cause de l'échec. Donc, moi, c'est que dans l'aspect tactique, stratégie, comment vous déplacez, puis comment tel point déplacer, comment cavalier déplacer, comment vous déplacer. Donc, ça, détail, ça, vous m'avez venu dans le coup, d'ailleurs, là où est que Jean-Duchesne Auguste qui est en train de dire là maintenant quoi donc Jonathan public là en quoi donc nous gagnons Jean-Duchesne qui est intéressé ensemble avec quoi donc Jonathan Boula là pour et Auguste était patient moi joignant là on vient quoi donc était patient donc et nous gagnons samedi qui dit libre branché donc big up pour samedi donc mes amis bah on est si nous gagnons question et pour coachant donc si nous gagnons question profitez vos élus en bas là en bas c'est que les coups apparaissent tout nous gagnons pour nous faire notre live ensemble avec Jonathan pour nous annoncer nous que quoi disponible sur plateforme là donc mes amis bah on est si nous gagnons question donc bon, c'est que et Jonathan passe partage au paquet d'informations. C'est rapidement, c'est rapidement, on a essayé de faire un petit résumé. C'est que j'ai des chèques là, qui sont jeux de société, il y a plus de 1500 ans et 1500 années d'existence qui, paquet de bénéfices, on va apporter dans la vie personnelle, professionnelle, nous, mes amis. J'ai des chèques là, nous permettent pour on travail, créativité. Il permet que pour cultiver plus de patience à carreau, il permet pour très persévérant, il permet que pour développer intelligence ou davantage, pour développer et ou augmenter que il y a un dégât le quotient intellectuel ou il permet tout et un bon esprit critique et permet que structurer idéaux. Donc tu les chèques en compte paquet d'avantages que capable côté pour soit dans la vie personnelle, permet de gérer ton plus bien. Donc, si nous avons bien pour ma prédécité, et bénéfice que j'ai des chèques capables pour vous, yo, énorme. Et la bonne nouvelle, chers amis, la bonne nouvelle, que Jonathan, profitez du live là pour annoncer ça live. Fait que Jonathan a gagné un coup sur le jeu d'échecs, qui a gagné vos 10 disponibles sous plateforme. Donc, restez branchés, mes amis. Jeu d'échecs là et Jonathan va nous montrer nous les BABA du jeu d'échecs et à permettre que même tout et ou bénéficier d'un ensemble d'avantages avec le jeu d'échecs côté vous. Jonathan, c'est pas un novice dans le domaine là, c'est un monde qui a dirigé un club d'échecs, c'est un monde qui a monitoré, apprendre un jeu d'échecs et première connaissance que j'ai dans le jeu d'échecs, c'est Jonathan. qui était enseigné mieux Jonathan t'es lycée membre fédération échec ASN donc c'est un poteau et garçon qui est ensemble avec nous dans Canada et c'est poteau et garçon ça tout qui a gagné un coup qui a gagné pour disponible sur plateforme donc Jonathan bah on est sur gagner deux trois mots qui ont pu passer à public là et pour nous capable de mettre en fin dans la live là bon ça m'a causé moi d'abord moi je remercie tout le monde qui était là tout le monde qui a participé ensemble avec nous voilà bon moi remercie vos présentations et n'attendons nous tous là pour l'initiation au jeu d'échecs là et merci au même pour l'invitation vous êtes tout bien oui moi je vous remercie tout pour l'invitation pour Tibalia merci beaucoup. Merci tout le monde. All right. Merci avec vous-même, Jonathan. Merci avec vous-même qui était
qui t'est branché dans là-dedans, mais c'est que l'information qui t'est partagée est vraiment, vraiment utile, nous. Et m'a profité de dire, nous, que dans le moment que nous avons parlé pendant tout le mois, mais il y a gagné 20% de séance sur tout plan red branché, sur tout plan membership red branché académie. Donc, profitez de discount ça qui gagne pour nous capables vraiment et inscrire nous en plan membership. À noter que en plan membership pour inscrire, on a bien accès à tout groupe qui gagne sur la plateforme là et tout groupe qui gagne pour venir sur la plateforme là. Donc, merci à vous qui êtes branché et nous avons cassé rendez-vous pour une autre fois. Et ciao, ciao, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Jonathan.